Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder donc une des techniques du setup facial qui va utiliser donc le blend shape pour venir animer donc la fermeture et l'ouverture des paupières de ce personnage ici. Et donc on va venir travailler donc sur cette transformation morphologique. Alors j'emploie bien le terme transformation morphologique et non animation, puisque on va utiliser donc une variation donc de la morphologie de la tête ici pour utiliser la technique du blend shape, qui consiste donc à avoir des cibles morphologiques que l'on peut atteindre grâce à une valeur, un poids qui varie entre 0 et 1. 0, la cible morphologique n'est pas atteinte par la source, et 1, la cible morphologique est atteinte par la source, c'est-à-dire que la source s'est transformée donc de manière totale par rapport à la cible. Donc c'est ça la technique du blend shape, et ici on va venir donc l'appliquer à l'ouverture et à la fermeture de la paupière. Bien entendu, dans un premier temps, ce qu'il faut obtenir donc c'est la transformation donc morphologique. Alors pour ça on peut utiliser beaucoup quasiment tous les déformations qui sont les méthodes de déformation qui sont à notre disposition dans Maya, que l'on va retrouver donc dans le menu déforme ici, qui vont permettre de déformer donc un modèle polygonal, quelle que soit la méthode que l'on utilise, lattice, cluster, warp, non linéaire ici, bend, flare, et ainsi de suite, ce qui va permettre de transformer donc l'objet polygonal source pour lui donner une certaine forme. Ensuite, on fera une copie de cette forme et on obtiendra ainsi notre target de blend shape que l'on pourra atteindre. Donc ici, l'objectif est de venir donc fermer la paupière. Donc on va procéder en plusieurs étapes. J'enlève ici les cils. On va positionner, donc créer un cluster. On va utiliser la technique de cluster ici. Encore une fois, on pourrait utiliser d'autres techniques de type lattice ou bind éventuellement. Ici, on utilise la technique donc du cluster ici, qui est déjà en place et qui va venir influencer une partie donc du haut de la paupière ici avec ce cluster. Donc, si on sélectionne ici le cluster. Ici le cluster, on l'a laissé donc cluster 4, on pourrait l'appeler cluster paupière donc gauche, pardon. Et donc on va venir ici sélectionner donc des contrôles vertex qui vont être ensuite utilisés donc pour être déformés par le cluster. Donc ici on a déjà sélectionné, je remontre juste ces fonctionnalités ici rapidement. On vient donc dans des formes, on a sorti le menu, il est là pour sélectionner ces 7 membership ici. Donc cette membership, on va sélectionner ici donc la déformation sur laquelle on veut donc rajouter ou enlever des sommets. Donc c'est le cluster 4 ici. On voit qu'on a une sélection. On a l'outil Paint, B pour agrandir, donc CTRL Z. On revient sur le cluster 4 ici. OK. Et en appuyant sur la touche B. Oups, je suis resté dans la liste ici. Alors quand j'appuie sur la touche B, je vais sur le blend shape qui prend tout en compte. Donc il faut recliquer sur le display, sur la vue 3D, appuyer sur la touche B à ce moment-là et agrandir. Voilà, la volonté c'est d'agrandir ici le pinceau pour venir rajouter des points. Voilà, c'est comme ça qu'on rajoute des points en venant peindre. OK, ici. Donc pour l'instant je n'en ai pas besoin de plus. Et pour en enlever, donc paint opération add remove, ici j'enlève donc des points. Ensuite, deuxième opération, on va venir sur le paint weight cluster ici, en choisissant donc le cluster qui va bien, c'est le 4 ici pour notre œil, et on va venir peindre donc de l'influence ici, de l'influence donc qui va
au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du bord de la paupière, qui va donc décroître de telle manière que le bord soit attiré complètement par le cluster et progressivement donc on a une perte d'influence vers l'extérieur. Donc on va préparer ça. Une fois que cela est prêt, donc notre cluster est prêt à être donc animé. Ok. Voilà. On est en mode fuite. Ici, on repasse et on va pouvoir donc sélectionner le cluster 4 ici, W, pour le déplacement et s'apercevoir que le déplacement eh bien s'opère de manière plus ou moins souple. On peut revenir donc en déplaçant le cluster que l'on a mis en place suite à la sélection, en venant le chercher ici dans déforme cluster. On a le cluster qui est en place, qui entraîne, on a peint donc une progression d'influence et le cluster au départ est toujours à 0 quand on vient le positionner. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut le remettre à 0 et remettre donc dans la position initiale la morphologie que l'on déforme ici, le polygone que l'on déforme avec le cluster à 0. Donc ici, si je déplace sur Y, j'ai plus qu'à faire 0 et je reviens dans ma position initiale. Ok, donc là, ce que l'on voit en fait, c'est que on déplace le cluster verticalement. Ici, et on ferme la paupière verticalement. On a juste un peu de quelque chose de bombé, mais a priori, l'œil devrait plus ou moins dépasser. Ici, c'est pas le bon. Ok, voilà. Et donc, on a un petit problème ici au niveau de la gestion de l'œil. Et donc, on va utiliser donc un élément de déplacement. On va essayer d'enlever les cheveux ici pour mieux voir. Voilà, on va utiliser un élément en arrière-plan de déplacement que l'on va mettre donc en parent et le cluster en enfant de telle manière qu'on obtienne une rotation du cluster au lieu d'un déplacement donc de translation. Alors le plus simple effectivement c'est d'utiliser un objet donc parent. Ici on va utiliser un locator qu'on a mis en place. Ok. 4. Pour le voir, voilà, locator il est de petite taille ici, mais il est présent, locator, et ce locator là, on va le positionner en fonction de l'arc de rotation que l'on veut du cluster. Plus on voudra un arc donc fort, plus on rapprochera le locator du cluster. Donc ici on va l'augmenter un peu par exemple, et puis on va prendre donc le locator, le cluster, et on va poser une contrainte donc. Contrainte, oops, on est dans le modeling, rigging, contrainte parent ici, pour obliger donc le cluster à suivre le locator en contrainte parent. Ce qui va faire que ici je maintiens offset, translate, rotate, tout est bon, j'applique add. Ce qui va faire que maintenant on a une contrainte sur le cluster, on a l'allocation rotation pot ici, je le prends. Je fais une rotation et je vais entraîner donc le cluster qui lui-même va entraîner donc la paupière ici. Bon, on va passer en mode voilà. Et donc on a quelque chose sûrement de plus bombé si on remet l'œil. Ok, ça c'est les cheveux. Voilà, si on met l'œil, on voit que c'est passé. Ok, ici, voilà, on va rouvrir. Ok. Et donc on voit que on arrive donc à faire passer l'œil. Alors on pourra encore un peu plus bomber éventuellement ici, mais ça se passe relativement bien. On pourra ajuster. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau donc de la paupière, corriger éventuellement donc ici la déformation en revenant sur les paramètres donc ici donc d'influence. Ok, on va pouvoir voir ça. Et puis on voit aussi donc quand même que à la fin, eh bien, on a donc la paupière qui rentre un peu dans l'œil. Et il va falloir donc arranger ça. Ok. Donc on va éventuellement déplacer un peu plus donc le point et on recommencera à ce moment-là. Donc ici location. On va mettre rotation ici à 0. Ok, ici, voilà. Et on recommencera, on enlèvera donc ici
la contrainte et on repositionnera donc notre locator outpo qui sert de parent ici pour arriver donc à une bonne rotation du cluster qui ferme bien la paupière. Donc après avoir essayé plusieurs positions, donc que ce soit sur la hauteur ou sur la profondeur, pour avoir la bonne rotation donc du cluster, eh bien on a donc à ce moment-là la fermeture de la paupière qui se fait bien ici, et on va pouvoir donc maintenant ajuster donc les formes ici que l'on va donc conserver pour le blend shape. Donc ici ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir donc bon, là, on va enlever l'œil, ok. On peut éventuellement, si on veut être précis et dans le mouvement, avoir donc un mouvement ici intermédiaire sur lequel éventuellement après la rotation on pourra jouer donc sur un léger donc déplacement pour augmenter ici la valeur de la paupière en venant tirer sur le cluster, ok. On peut légèrement augmenter le côté bombé ici pour voilà pour la précision et venir donc arrêter cette forme là en venant faire un CTRL D ici, et on va donc avoir ici par exemple donc en venant déloquer donc le corps, le maillage donc corps qu'on a créé Unlock Selected, qu'on va renommer donc ici pop gauche demi, voilà. Donc on peut le renommer d'un nom relativement court, pop gauche, on verra pourquoi, parce que le blend shape demi dem accepte très peu de lettres dans l'écriture du blend shape, et si on veut reconnaître donc ensuite ce que l'on fait au niveau du blend shape, il faut ici donc avoir donc un nom court de la forme. À ce moment-là, on peut déplacer donc la forme ici. Ok. Voilà, on va la mettre de côté ici, et on va donc la récupérer ensuite pour faire le blend shape. Ensuite, on va continuer éventuellement donc. Je la mets un peu plus loin. On va continuer éventuellement donc à venir fermer totalement la paupière. Ok. Dans tous les cas, on pourra venir réajuster donc la paupière. Donc ici lock rotation. Ok. Et on vient essayer de fermer ici. Donc, on voit que l'on ferme pas totalement ici. On peut légèrement décaler pour recentrer, par exemple. Ok, et puis on peut éventuellement donc reprendre le cluster, élargir pour venir bomber un peu la paupière ici, voilà, et la fermer complètement, quasiment complètement. Ok, et donc ici on va faire la même chose, on va faire un CTRL D, on va obtenir donc un nouveau polygone ici, pop G gauche F ferme pour fermer, voilà ici, et donc on a les deux éléments ici, celui-ci on le déloque de la même manière et ainsi de suite, unlock selected, et on le déplace sur x de 80, ok, et donc on a à ce moment-là nos deux éléments, voilà ici, et on a ici nos deux têtes donc moitié paupière fermée, paupière totalement fermée ici, que l'on va pouvoir donc utiliser sur la tête d'origine ici, dont on va prendre soin de remettre à zéro. Alors quand on dit remettre à zéro, ça veut dire lock rotation peau ici donc à zéro en termes de rotation, voilà, ok, on remet la paupière dans l'état où elle était, et on va pouvoir même enlever le cluster, donc enlever l'influence du cluster ici, de telle manière de récupérer la paupière comme elle était à l'origine. Donc on a supprimé le cluster ici, on retrouve notre paupière, et donc on n'a plus qu'à maintenant donc prendre le corps, prendre d'abord les targets, alors le premier demi,
fermé complètement, le corps en troisième, et on vient donc dans des formations créer ici un blend shape. Ok, et donc on va venir maintenant sur Window Animation Blend Shape et obtenir ici, alors il y en avait déjà un delete, voilà, ici avec le nom, donc on voit demi-fermé, fermé ici, sur lequel on peut jouer. Donc ici, demi-fermé, on va être au maximum de demi-fermeture, et puis donc fermeture complète ici, donc de la paupière par exemple. Donc on a mis une demi-fermeture au cas où on veuille l'utiliser ici. On peut passer directement donc de la fermeture complète. Attention, si on rajoute la demi-fermeture, ça augmente bien entendu. Ici, ça vient se rajouter ici en transformation morphologique, puisque les transformations morphologiques s'additionnent ici. Et donc on n'a plus qu'à keyframer cette valeur-là maintenant, ici donc en key. Ici qui va permettre donc de pouvoir ici donc animer la paupière. Alors on pourra trouver une interface intéressante qui reprendra donc la position de cette clé-là, ce qu'on fait quand on veut avoir une interactivité directe et pas ouvrir donc le panneau Blend Shape à chaque fois ici. Et on va pouvoir donc avoir ici. Alors on fera la même chose pour les cils qui devront suivre bien entendu la paupière ici. Pour l'instant donc on a joué sur seulement la paupière. Ici on réajustera donc bien entendu l'œil qui s'est légèrement décalé. Oups. Ici l'œil gauche qui s'est légèrement, voilà, décalé. On va le mettre légèrement en retrait. Ok. Voilà. Ok, et donc on pourra donc avec le Blend Shape s'occuper donc de certains mouvements, donc transformations morphologiques comme par exemple les paupières. On peut imaginer faire la même chose donc dans l'animation faciale, donc au niveau des lèvres, donc d'avoir les mouvements, les 11 phonèmes par exemple, hein, qui permettent l'expression donc ici des lèvres. Pour les avoir donc en blend shape et passer de l'un à l'autre pour donner l'impression que le personnage donc s'exprime, parle ici. Donc la technique du blend shape est une technique intéressante que l'on va pouvoir utiliser donc dans le setup facial ici.